Marcus, tu as de nouveaux amis? Oui, ce sont des jumeaux, c'est génial, pas vrai? Je m'appelle Ella. Et moi, c'est Tuck. Tu n'aurais pas vu Madame Pi? Qui est Madame Pi? À l'aide! Et je suis la plus méchante de toute la grande vallée! Madame Goodway! Une étrange femme oiseau vient de soulever ma voiture toute propre dans les airs avant de percuter notre magnifique pont! Madame Pi! Je crois qu'il va finir par s'effondrer! Mais comptez sur nous, car mes super amis, ils assurent! Regarde, Galinetta! Super Stella nous a retrouvés et va nous sauver! Ryder, Madame Goodway et Galinetta sont enfermés dans le nid de Madame Pi! Nous devons absolument entrer dans le nid, mais tous les super chiens sont occupés! Je connais deux chiens qui pourraient nous aider. Nous? Voyons les choses en grand. Wow! Super, bravo! Ruben, Tuck va nous aider à sauver Madame Goodway. Entendu, allons-y. Ces lasers nous empêchent d'entrer dans le nid. Je vais me faufiler entre les rayons. Ça alors, c'était un sauvetage spectaculaire. Merci la super patrouille. Merci encore Ryder et la super patrouille de nous avoir défendus, moi, Galinetta et la Grande Vallée, face à cette méchante femme oiseau. Il n'y a pas de quoi. Tout cela n'aurait pas été possible sans les jumeaux. Qu'est-ce que vous faites debout, tous les deux? On a entendu un bruit bizarre. Je crois que ça vient de la mare aux grenouilles. Ce serait pas le fantôme de la mare aux grenouilles? On ferait mieux d'aller voir. Je suis sûre que c'est le fantôme de l'histoire de papy. Alex, ça n'existe pas, les fantômes. C'est le fantôme de la mare aux grenouilles. Mais on ferait mieux d'appeler la patte patrouille. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Everest va inspecter la forêt. Et avec Jayce, on va à la mare. À tout à l'heure, Ryder. Vous avez trouvé le fantôme? Oui. Lampe torche. Ces bruits effrayants n'étaient ni ceux d'un fantôme, ni ceux de Monsieur Ellinger. Ils proviennent de très grosses grenouilles. De grenouilles taureaux. Mais cette espèce ne vit pas dans cette mare. Alors d'où viennent-elles? Monsieur Ellinger? Que faites-vous avec ces grenouilles taureaux, Monsieur Ellinger? Eh bien, j'étais reparti faire un petit tour et... ça va, hein, j'avoue. Leur coassement insupportable m'empêche de dormir. Alors je suis venu les installer ici. C'est pour ça que je n'avais pas reconnu leur cri. Elles vivent à Foggy Bottom. Et c'est pour ça qu'on va les ramener là-bas. Je vais les conduire jusqu'à Foggy Bottom. On peut y aller ensemble, Monsieur Ellinger. Oh, ça va être un long trajet, extrêmement bruyant. Ce bonhomme est loin d'être aussi doué que moi. Hein, les chatons? Bon, tout le monde est capable de créer une magnifique mélodie avec une telle guitare. Je sais. Oh, ma guitare! Elle était là! Oh, il faut la retrouver! Il est temps d'appeler la patte patrouille! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas écouter mon magnifique morceau? Rendez-moi cette guitare immédiatement! La pente de la colline est trop raide. Il faut continuer à pied. J'appelle les renforts. Stella, on a besoin de renforts aériens. Bien reçu, Ryder. Prête pour un petit tour dans la...
la guitare. Elle est dans le tronc. Je l'attrape avec mon grappin. Ma guitare! Oh! À l'aide! Votre taxi vient d'arriver! Armé! Est-ce que ça va, Gustavo? Moi, oui, grâce à Stella. Mais ma guitare est toujours coincée dans le tronc! Plus pour longtemps! Rapin! Ah, sauvé! Merci, la patte patrouille! Je vous présente notre nouvelle vache. Oh, mince! Ce n'est pas une vache laitière, mais une vache de mer. C'est comme ça que l'on surnomme les lamantins. Nous allons l'appeler Marie. Marie, notre nouvelle amie. C'est vrai qu'elle est mignonne, mais elle n'a pas vraiment sa place dans une ferme. Il lui faut un bassin pour pouvoir nager en toute liberté. Nous devons conduire Marie jusqu'au marais. Et il faut faire vite, le plus tôt sera le mieux. Le marais est de l'autre côté de cette montagne. Oh non! L'aquarium! Ah! Ruben, construis un barrage pour arrêter l'aquarium. Très bien, je m'en occupe. Attention! Saine et sauve. Oh oh! La vitre de l'aquarium est fissurée. Alors il faut rejoindre le marais le plus vite possible. Marie, on est arrivée. Oui, et il était temps. Pouvez-vous reculer pour être le plus près possible de l'eau? J'ai bien peur que ce soit plus compliqué que prévu, Ryder. Stella, viens avec ton hélico pour transporter notre lamantin. Prête pour un petit tour dans les airs! Gigoter, Ryder! Chase, il faut à tout prix protéger Marie des crocodiles. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Filet! Merci d'être venu, les amis. Olivia, l'autruche, a des ennuis. Ne t'inquiète pas, ça va aller. On va lui porter secours. Ruben, tu vas déplacer le rocher avec ta grue et libérer Olivia. Stella, avec ton harnais de sécurité, tu vas sortir Olivia du canyon. La patte patrouille part en mission. Oh, Ryder, je suis bien content de te voir. Ça va aller, Oscar. On va aider Olivia. Gré! C'est bon, soulève-le. À toi, Stella, fais descendre ton harnais. Je crois qu'Olivia n'aime pas du tout voler. Il faut que je la pose. Alors on va devoir trouver un autre moyen de la ramener à ses œufs. Pauvre Olivia, elle a l'air d'avoir mal à la patte. Une chose est sûre, elle ne peut pas rentrer en marchant. Il nous faut un véhicule. Chien robot, tu me reçois? Conduis les chiens jusqu'ici. Ensuite, on ramènera Olivia au ranch. Regarde, Olivia, le pas de patrouilleur arrive. Chien robot va te ramener. Faisons monter Olivia et... Allez, tous... Ryder! Chien robot, rattrape-les et ramène-les vite ici. Merci d'avoir sauvé notre petite famille d'autruches, Ryder. Il n'y a pas de quoi. Si vos oiseaux se sont enfuis, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de La Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior.